Salut à tous les amis, je suis DeFantasio974, plus connu sous le nom de Fanta, et je suis en compagnie d'un petit Ewok nommé Bob Lennon. Salut Bob. Les bruits des Ewoks. Ah non, c'est pas... C'est les guerriers des sables qui ont des lunettes comme toi, non? Ah, bah dans ce cas, c'est... Ah, ça tourne comme ça, il me semble. C'est les bons bruitages. En tout cas, bonsoir et bienvenue sur 7 Days to Die. Sauf que là, aujourd'hui, ça a plutôt été 7 Days to Survive. On a survécu à une ligne de sang, augmenté la taille de la tranchée, placé des pics un peu partout, mon cher Fanta, dans le respect, bien évidemment, des saintes écritures. Non, moi, je ne dis rien, hein, j'avoue. Non, bien sûr. Il faut donc continuer à sécuriser les lieux. Je ne sais pas si dans ce jeu, on peut rajouter de la terre là où on en a précédemment enlevé. J'en doute, c'est peut-être possible. Dans tous les cas, c'est pas important. Du coup, mon cher Fanta, aujourd'hui, du loot, du craft, de la réparation, du pépère, du tranquille et du on se fera pas attaquer par des zombies à la con cette nuit. Tout est calculé. Alors par contre, il y a des gens qui ont eu la gentillesse et la délicatesse de laisser nous, des astuces. Exactement, des tas d'astuces. Je ne vais pas toutes les citer parce qu'elles sont plutôt nombreuses. Cependant, français, je vous ai compris. J'ai vu, voilà exactement. J'ai vu les astuces et l'utilité qu'elles ont. Qui sont plutôt pas mal en fait, hein, plutôt ingénieuses. Alors tout d'abord, mon cher Fanta, la table de craft, l'établi que nous avions construit, oui. Je me souviens, ce fameux établi, cet établi sert à construire tout et n'importe quoi. Et donc l'avantage de ce truc, c'est que tout ce qui sortira de cet établi sera mieux que ce qu'on aura crafté sur nous-mêmes. Déjà. Ah, donc, si d'accord. T'as une pioche ou une poire à crafter sur l'établi. Ah, tu le fais sur l'établi plutôt que dans ton inventaire exactement. Propre et elle sera de meilleure qualité. Ah, d'accord. Et la toque après. Et du coup, voilà. Et on peut aussi fusionner les objets entre eux de manière à augmenter leur efficacité, ce qui est plutôt pas mal. On peut aussi recycler des tas de trucs. Ce recyclement que je vais faire, on va recycler. Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? C'est moi qui coupe du bois parce qu'en fait, je veux faire des pics à l'infini pendant que tu nous expliques toutes les astuces de nos merveilleux abonnés. Bon, bah, tout va bien. Et aussi, on devait... la pelle en acier que j'avais, par exemple, qui était à 7 de durabilité, je vais la recycler. Sans pitié, hein. La pelle en fer, je la garde. La masse en fer. Alors, on nous a dit aussi qu'il fallait absolument se crafter des armes de corps à corps et les utiliser contre les zombies, notamment la masse en fer. Ah ouais, elle est géniale. Voilà, les massues. Hein. En deux coups, tu leur écrases la tête, c'est super. Ouais. Tout à fait. Extrêmement effectif. Et enfin, je suis très heureux de constater que le bug qui nous empêchait d'accéder au coffre est parti. Il est parti. Donc de ce fait, on peut encore une fois... On peut accéder au coffre, il n'y a plus de bug. Ouais, il n'y a plus de bug, c'est cool. Il n'y a plus de bug. Clé à molette. On va fusionner clé à molette. Les fromages de Hollande. La mi-molette. Combine, item A, item B. Résultat. Item C. Moi je replante parce que j'ai le souci écologique, mon petit Bob. Je fais des arbres à côté de chez nous. Eh ben vas-y, replante. Replante ma biche, replante. Après on ira explorer, crafter, vivre notre vie. Juste à côté de chez nous, il y a des sources de comment ça s'appelle, d'argile, ça t'intéresse ou pas du tout? Ah, l'argile non, on en a plein là. Par contre, on a pas mal aussi de caillasses, tiens, je vais voir si je peux pas les piocher juste à côté de chez nous quoi, un gros filon. Intéressant. Alors je me rends compte aussi qu'on a fait une erreur, mon cher Fanta. Tu sais que par le passé, on a jeté les casques de footballeurs américains. Plus exactement, on les a recyclés. Je crois que je les ai fait fondre, il me semble, un truc comme ça. Il faut savoir qu'on aurait pu les combiner avec une lampe torche afin d'obtenir littéralement un casque de mineur. Et le casque de mineur, je te dis pas, mais c'est un peu l'amour parce que c'est le plaisir. C'est surtout plaisir sur le fait que bah voilà, ça permettrait d'y voir la nuit en fait. Pendant ce temps-là, qu'est-ce que tu es en train de faire pour savoir ce que les abonnés ratent et qu'ils sont en train de m'engueuler là, hein? Je suis sur l'établi, je combine, je mélange. C'est moins intéressant que ce que je fais. Ouais. Absolument, exactement. Même le fait de couper du bois ou de remuer de la boue serait plus intéressant pour le viewer moyen de l'acier forgé. Le viewer moyen qui est en général... On est au-dessus du viewer moyen sur Fantalogue. Exactement. On met la hiérarchie dure, nous, voilà, c'est ça. Ouais. Il y a le viewer moyen, son argent, la maman et nous. Tu vois, c'est dans ce temps. Ça fait pas trop de sens, mais j'accepte. Pas moisi, poudre en nitrate ou en bouteille, dur, thé rouge, antibiotiques. Je viens de prendre du skill là.
Des champignons. On m'a dit que les sandwichs au jambon périmé pouvaient servir à faire des antibiotiques naturels, mais je ne trouve pas la formule. Donc ah ouais, c'est génial c'est comme idée. Non, mais on les garde de toute façon depuis le début comme... Tu sais, on les garde, quoi, parce que c'est pas là, on est comme ça, nous. Ok, donc, j'ai un zombie qui vient me dire bonjour. Ah bah, écoute... Je ne suis pas intéressé. Voilà, c'est ça, rends-lui la paille, écoute. Soyons polis, ce n'est que politesse. On va poser vers Storkeller, il est 18h54. On est plutôt pas mal, hein, on est plutôt pas mal. On a du ruban adhésif en toile, on a il avait des jetons de casino. En bois, les marmites et les routes mini-auto. On peut recycler la plupart des objets sans avoir besoin de les faire fondre, ce que je faisais tout le temps, moi, mais c'est pas ultra effectif. Moi, j'aime bien les faire fondre, écoutez. Hein, j'ai trouvé du charbon, dis donc. Bien, très bien, très bien. Binette en fer, pelle. Est-ce que tu crois que les... Ouais, même pas mal de charbon, hein. J'en ai 51 là. Sympa. La nuit va tomber, on dirait. Je continue, hein. Nitrate, charbon, c'est plutôt bon. Je fais 30 aciers en fer forgé. Enfin, je fais 30 barres d'acier. Quand c'est qu'on commence à faire de la fabrication d'armes, de la vraie, quoi, mieux qu'un tromblon à la con? Pour le coup, je ne sais pas, mon cher Fanta, parce que je ne connais pas les compétences nécessaires qu'il faut. Moi non plus, on est tellement débutants dans le jeu. Il faut trouver des plans aussi, il faut trouver des plans. Ah oui, donc, et comment on les trouve? Les plans, ça se loot dans les cabinets d'armes qui se trouvent dans certaines maisons qu'on pète au bout de 40 minutes. Il faudrait faire une petite expédition dans le prochain épisode. Ah ouais, carrément. Idéalement aussi, j'aimerais bien crafter, mon cher Fanta, des arbalètes, parce qu'on a des arcs, et on est très très bien, et c'est vrai que le tromblon c'est sexuel, mais... Alors attends, et ça demande un livre, est-ce qu'on a... quand ça demande un livre, est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend Et si on faisait une bétonnière et qu'on commençait à faire des maisons en pierre là, et que... Parce que là, c'est un peu la maison des petits cochons, ceux qui sont bouffés, non? Peut-être, mais pour le coup, on a des douves, on a des pics, on essaye. Ouais, mais il faut un petit peu un projet, j'allais dire mon amour. Oui, non, pas de soucis, ma biche. Si le projet, c'est de faire du béton, fais du béton, si c'est ça qui te rend heureux. Il faut faire rêver les viewers, le viewer moyen, sa maman, et puis c'est... Et toi, tu les fais rêver avec du béton, bah très bien, y a pas de problème. Ah merde, mais je comprends. Et des armes, du béton et des armes. C'est ça. À la Néo, des armes, un maximum d'armes. C'est ça. Alors, on nous a dit aussi que les pics qu'on utilise, mon cher Fanta, ces fameux pics à 100, sont moins efficaces en termes de durabilité que les pics ronds tout moches, qu'on peut améliorer derrière. Moi, je pense que les pics à 100, ils sont très bien, je les aime bien de toute façon. Donc, on va les laisser moi, je les aime bien aussi, ils sont super beaux. Oui, ils sont sexy. Je suis en train d'essayer de voir comment on fait sur l'établi. Après, c'est vrai que les ronds, tu peux leur mettre du métal autour. Mais ça coûte. Hache de pompier en acier, putain, ça ce serait bon, ça, il faudrait qu'on s'en fasse deux. J'en ai une, il faudrait que je la répare, moi. Réparer, faire forger. Il faut du faire forger pour réparer. Je vais rentrer. Je t'en prie. Masse en fer, il n'y a rien de mieux, il n'y a que de la masse en fer, t'en masse, tu vois. Alors on a déjà résisté à une lune de sang, hein. Même si le ciel a l'air un peu rouge, normalement... Ouais, ils font semblant. Enfin, j'espère. Ça n'est que de la simulation. Parce que si nous quoi, on s'en refait une seconde, on est mal. Hein. C'était quoi? C'était dans Astérix, ça? Je sais pas. Oui, c'est ça, t'as le druide qui arrive alors que l'autre il est en train de lui écraser la tête. Et la pénalité, il est interdit de sauter sur la tête des joueurs. Mais il fait semblant. Alors attends, tac, réparer. Je peux pas réparer ça. Mais pas le matériel nécessaire pour réparer. Réparation acier forgé. Ah oui, carrément, d'accord. Hop, qu'est-ce qu'on met? Ça, le flingue. Réparation acier forgé, ok, très bien. La caisse, les médocs. Réparation acier forgé. Hop. J'ai 7 bâtons dynamite, ce qui est pas mal. Je vais tester une théorie, mon cher Fanta. Je vais prendre l'acier forgé qui vient d'être créé, et je vais essayer de réparer les objets sur l'établi avec de l'acier forgé. Ah tiens, tu veux m'appeler du coup? Ça ne marche pas. Bon, ah merde, dommage. On ne peut que... Bah, y a pas de souci. On ne peut que combiner les objets... Et on a du fer forgé ou on a que de l'acier forgé? On a un peu de fer forgé, on en a 8 de fer forgé. Et je veux bien un peu de... Très bien. Ouais, déjà, je vais tenter de réparer. Question, si je mets les éclats de fer comme ça dans la fonte, ça fait quelque chose ou rien du tout? Il faut que tu le mettes, ouais, dans le côté de la fonte, là où ça fond, en fait. Exactement.
Donc on y travaille. On peut faire des enjoliveurs. Okay. Ah, c'est pour faire une mine terrestre maison. C'est pas mal, ça. Non, j'ai l'impression que je m'y prends mal, Bob. J'ai mis dans fonte, ça va le faire tout seul ou il faut que je lance un craft? Oui, il faut attendre, il faut attendre. Il faut attendre. Il faut que ça brûle et que ça... ça ok. Fond, et puis ça... J'ai l'impression qu'il y aura peut-être pas assez de bois. Il y en a que 8 là. Ouais, bah dans ce cas-là, faut en mettre un peu, oui. Hache de pompier en acier, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. C'est sexy. Oh, c'est sexy. Allez, je m'en fais une. Ça prend 5 minutes. Putain, par contre, ça prend sa vie. Ça prend sa vie, ça respecte. Pelle en acier, j'ai déjà une pelle qui marche très très bien. Pique en bois et pique en rondin et en ferraille. T'as tout rangé. Plaque déclencheur, pique en bois, clé à molette. Ah, c'est ici les fringues, ok. Ça demande pas mal d'acier forgé, effectivement. Bon, ne t'offusque pas, je vais me foutre temporairement à poil parce que... Je m'offusque à moitié, mais je le vais bien. Pour ça. Parce qu'en fait, je veux un autre fit qui soit... alors, c'est peut-être le même que j'ai là, mais je veux être sûr d'avoir le meilleur disponible. En tout cas, faire une hache de pierre, attends, j'annule ça. Bon, une aide de soleil, bien sûr, et le chapeau en garde, hein, c'est trop le swag. On va voir sur l'établi l'âge de pierre. 93. Oh, effectivement, c'est plutôt efficace. Est-ce que je peux les combiner pour les améliorer? 95, mais oui. Ok. Hop, et je t'en refais une. Je vais te faire une hache de pierre. Alors, de qualité incroyable, mon cher Fanta. Dans quel sens? Comment ça se fait qu'il y a des outils avec les fringues? Ok. Par contre, je suis en train de mûrir, là. Voilà, très bien. Ok. Alors, les shorts, le problème, c'est que c'est super moche. Mais par contre, c'est de la bonne qualité. Niveau chaussures, ah bah oui. Je vais prendre les cowboy boots. C'est parfait. 50. En haut, c'est le débardeur rouge. Oh putain, comment c'est moche. Alors attends, parce qu'il y a la durabilité. 96, c'est quoi? C'est la qualité, hein. Le chiffre, c'est la qualité. La barre, c'est la durabilité. Et il vaut mieux des bonnes qualités. enfin il vaut mieux une bonne durabilité. Après, bon, ça me paraît moins moche. Je prends le manteau parce que c'est la classe. Ça fait beaucoup de manteaux. On voit d'excellente qualité. Un débardeur rouge, machin. Oh là là, 165 cet arc en bois. Mon cher Fanta, je vais te faire un arc en bois, tu vas avoir une qualité mais incroyable. L'établi fonctionne bien. Ah, double arc en bois à 165. Donc je vais avoir quelques objets à filer au Fanfan, ça va faire plaisir. Est-ce que tu as déjà une masse en fer, mon cher Fanfan, ou pas du tout? Une masse en fer, oui, j'en ai une et elle est bien. Très bien, bon, très bien. Dans ce cas-là, je sais pas, parce qu'on entend des bruits terrifiants et tout, ils essaient de nous faire paniquer, ce qui est bien évidemment un échec, mais global, total et absolu. Alors, on est très mauvais, par contre, pour faire des vêtements. Casque recyclé, bottes recyclées. Il manque juste des pantalons alors. Est-ce qu'on a des futs quelque part? Moi je veux pas des shorts, je veux des vrais. On a le droit d'avoir mieux que des shorts? On n'a pas un jean qui traîne quelque part? Aucune idée. J'en ai absolument. Allez, une jupe. Arbalète. Là il y a un livre et je suis pas sûr. Oh que mon je dieu. Ah, je suis trop mignonne. J'ai oublié ce que j'étais en train de faire du coup, Fanfan. Bien joué, bravo. Bravo. La déconcentration est absolue. Ah, voilà. Hache de pomplard en acier. Il manquait de gonzesse dans cette. Pourquoi je peux pas la crafter? Alors, je vais faire des pics. D'abord, je voulais faire des flèches. Parce que j'en ai plus, flèches. Ah, mais d'accord, mais tu m'as pris la table. J'étais en plein milieu. Et tu m'as hijacké la table. Mais quelle table? L'établi. Attends, c'est vrai, je suis devant, c'est vrai. Attends, les flèches sont de meilleure qualité si je les fais dans l'établi ou pas? Oui, tout à fait. Ah, sauf merde. Que, voilà, hop, les flèches non, c'est juste des flèches. Je vais le faire sur toi, y a pas de souci. Y a pas de durabilité ou quoi que ce soit. Par contre, Fanta, regarde dans les coffres, les petits coffres là, juste à côté du. Entendu. Juste à côté du merdier, je vais te laisser du matos et tu vas pouvoir remplacer celui que tu possèdes déjà par celui-ci qui est d'excellente qualité. Et ça, c'est une belle, mais... Oh, bah, je m'en ferai une. Ça, au moins. Et si on faisait des flèches de fer, on pourra upgrade quand même un peu. Hein, comme j'ai dit, arbalète. D'accord. Faudrait qu'on trouve le moyen de faire une arbalète. Mais moi, j'ai le... Ah non, il faut la prendre. Non, il faut la prendre. Apparemment, il y a un livre. Donc, il va falloir qu'on se déplace. Hein. Il va falloir qu'on loot. Hein. Il va falloir qu'on parte à l'exploration. Ah ouais, c'est fini, des blagues.
C'est fini à branlette, hein. Il va falloir. Est-ce que la carte au trésor de Sarah, je la laisse tomber et lis-la pour voir? Si tu veux, c'est un bouquin au sol, comme ça on aura la même quête tous les deux. Pourquoi pas, pourquoi Il pas. est par Je terre. prends des bocaux. Je prends des bocaux, je prends des bocaux. Il Ok, nous reste un peu d'eau en ça bouteille. on va Je vais mettre prendre un peu. là. Là ou là, c'est quoi ce bruit? Ah, Ça moi, va c'est être... moi qui commence à avoir trop chaud. Ah oui, quelqu'un nous a donné un conseil aussi. Appuie sur F1. Tu tapes 7M. Enfin, 7 temp. Merde, attends. 7 temp unit. C. Mais tout collé, hein. 7 temp unit espace C. Et normalement, la température est passée en Celsius. À 7 temp, putain, d'accord. Voilà, c'est. Alors, SET, TEMP, unit, Ah UNIT, oui, tout à espace fait. C. Et du coup, Et on... enfin. Et donc, aimerait 31 de... Enfin, aimerait, c'est la température. On est à 30 degrés. Ah ouais, effectivement, Ah, il ça. fait chaud. Hein. Oula, oula, ouais, ça burst, hein. On Et va j'aimerais bien faire tomber un peu la. 27-62. Ça, c'est Bon. ça. Attends, on va faire peut-être tomber un peu la chemise parce que. Parce que tout ceci est indécent, hein, Voilà. franchement. Voilà, tout ceci est indécent. Voilà, c'est bon, ça va redescendre avec ça. Alors, je disais donc, juste avant, oui, arbalète. Et pour l'arbalète, malheureusement, je crois qu'il va falloir qu'on trouve le plan, hein. C'est ça le livre, en fait, hein. C'est Ouais, ça le livre. Et, mais j'enlève ma les jupe, masses faut en pas fer, déconner quoi. on les avait trouvées, les masses en fer, ou on les avait. Je sais plus, hein. Je sais plus, hein. Bon, c'est pas grave. C'est Oui, pas on grave, les a c'est sans trouvés, bien importance. sûr, on les a pas craft, Bob, on a tout trouvé, nous, on sait rien faire. D'accord, bon, très bien, tout s'explique. Je J'ai fais 104 épique en flèches, bois, j'ai des on les met flèches au en acier, max. c'est pas mal. Il nous conseille Fabriqué. de garder un pistolet au cas où, mais on s'en fout. J'ai confiance. De la bouffe, il nous faut de la bouffe, par contre, pour la route. Attends, je suis Sinon, en train de on va fabriquer une mûrir. nouvelle hache, là, je suis pas en train de la réparer. D'accord. D'accord. Mais il y a une hache qui est en train de se faire construire en Ah, c'est Italie, ça, c'est donc. pour ça, c'est pas moi. N'y touche pas, laisse plus ça. C'est ma hache. J'y travaille. Acier forgé, alors que moi j'ai besoin du fer forgé. Comment je fais fondre le fer, Bob? Ah, ça doit. Non. Il est tout à droite. Tu le Ouais, mets à c'est droite et ça. il va fondre automatiquement. Et après, à partir de là, la réserve de fer qu'il y a dans la forge te permet de construire les lingots. Tu te souviens? Non. Sors de là, je vais le faire. Alors attends, tu as mis carburant. Mais non, c'est juste en dessous. Tu Mais as mis dans je l'avais carburant, mis toi, avant là. en dessous et ça n'a rien fait. Dans fonte. Et il faut attendre. Tu vois, 133, 132, 131. Et ça l'augmente. Enfin, et ça augmente la quantité que tu vois marquée à droite, qui est la réserve globale, dans une espèce de cuve de trou noir bizarre, dans le truc comme ça, Ah, que d'accord. Et le chasseur ensuite, tu récupère. peux fabriquer des choses à partir des numéros qui Exactement. sont indiqués ici. Exactement. Il faut plus voir ce machin comme un estomac magique Ah, que comme un vrai d'accord. four. Donc ça ne crafte rien, ça te permet juste d'avoir de quoi craft, effectivement. Ok. Exactement. Donc du coup, voilà. C'est pas. Et donc du coup, moi, vu que j'ai besoin de fer forgé, j'ai juste à le mettre dans la liste. Idéalement, ce serait cool qu'on arrive à retrouver des casques de footballeurs américains que j'avais bêtement détruits, mais c'est ma faute. Je pouvais difficilement savoir en C'est même pas temps. grave. Des antibiotiques, mais on a le Couteau de temps quand chasse. même. Ok, donc au niveau des armes, on est quand même limité. Oui, on n'a pas Pour grand-chose l'instant, pour malheureusement. Enfin, l'instant. on a la masse, on a la massue. On a la Ouais. massue, on aura la pelle, et puis on fait avec. C'est juste que voilà, je... J'ai des doutes sur nos proportions et capacités à survivre. Et le mieux, ce serait une arbalète, Fanta, parce que arbalète, on pourrait faire plein de carreaux différents. C'est juste un arc, mais qui est mieux, qui Ouais. tape plus dur, Et puis plus c'est loin. classe. Exact. Grave. Mais du coup, voilà. Par contre, il va falloir qu'on découvre quelle nouvelle zone on va vouloir explorer, sachant que le fait d'aller au nord est pour l'instant interdit parce qu'on n'a absolument pas les doudous nécessaires pour survivre à la violence du Du froid froid, ouais. Et j'ai absurde qui l'impression donne. que si on va vers l'est, c'est aussi froid. Regarde, il y a un bout de neige qui est apparu. Ah merde. Donc, moi j'ai un bout de neige sur la carte, donc j'aurais dit éventuellement sud-est. Sud-est, sud-est. Sud-est, en tout cas sud-est ou nord-ouest. Ouais, peut-être derrière le champ de canne, tu sais qu'on est allé à plusieurs fois, on n'est pas vraiment allé plus loin dans la direction. Marque, Le c'est à champ de moi. canne, c'est pas un champ de canne, c'est un champ de maïs, c'est l'habitude à la région. Oui, tout à fait, tout à fait. Ce que je vais prendre, c'est deux boîtes de conserve de pâté pour chien. Voilà pour moi. J'ai un peu d'eau. C'est cool. Avec de l'eau en bouteille, on devrait avoir de quoi Ouais, survivre pendant un temps.
Short. C'est pas toi qui es en train de mourir de chaud là? Comment tu sais? Non, j'en sais rien. Non, je pense que j'ai faim en fait. J'ai faim et j'ai soif. Même très faim et très soif. Mais je vais m'habiller quand même. Écoute. Parce que j'aime pas ça. Hop. Avec mon short, ouais, c'est vachement mieux. Voilà, moi je me suis fait une réserve de bouteilles, je me suis fait une réserve de bouffe, j'ai la petite bottle, j'ai une lampe de Porsche, j'ai du fer, une lampe de Porsche. J'ai du bois, fibre végétale, il me faudra un peu de bois, j'ai des antidouleurs, j'ai des bandages. Écoute, j'ai tout ce qu'il faut, mon cher Fanta, j'y crois dur comme fer. Les chandeliers, les bougeoirs en laiton, ça se fait fondre? Oui, tout à fait. Les bougeoirs en laiton, ça se met dans la partie qu'ils font en dessous du fioul, hein, en dessous de ce qui brûle. Ouais, je vois. Allez, okay. Câble. Et ça brûlera avec le temps. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai mon fer forgé, je vais pouvoir réparer ma hache direct. Et même peut-être. Ça, c'est quoi? C'est avec de l'acier forgé pour réparer. Fer forgé aussi. Ah non, j'ai tout bouffé, quoi. Ah, il a tout bouffé. Est-ce que tu veux que je te refasse une clé à molette? Oui, parce que j'en ai pas. Comme je te l'ai dit, dans le coffre, petit coffre qui se situe à gauche de l'établi, je te laissais des objets qu'il faut que tu prennes. Ouais, et vu que j'écoutais pas. Mais exactement. Exactement. Je parle mal. La pelle aussi, très pratique. Et un arc en bois génial. Ok. Et oui, t'as déjà une clé à molette du coup, donc j'ai pas besoin d'en refaire une. Hop. Et dans le truc qui est vide, je m'écoute toute ma merde qu'un jour tu rangeras parce que. Impeccable, exactement. Hop, j'ai de quoi faire de la poudre. J'ai un peu de bois, je garde les flèches. Je garde le meilleur arc et je balance le vieil arc. Je garde ça. La telle, ça peut toujours servir parce que. Hop, les vieux bocaux. Voilà. Les munitions. T'as pris la hache de pierre à 94 parce que c'est une très bonne hache. Pistolet, arme à feu. On n'a pas assez du 9 mm. Ok, donc le 10 mm, je laisse là. Qu'est-ce que tu m'as dit? La pioche que j'ai laissée dans le coffre est une pioche de très bonne qualité. J'ai pas de pioche dans le coffre. Le coffre que je t'ai laissé tous les items. Non, c'est pas une pioche, c'est une hache de pierre. Enfin, une hache de pierre, mais c'est une hache. Mais de j'ai pierre une vraie hache. Donc, et la mienne de oui, hache de pierre, elle est oui. De meilleure qualité déjà. Je sais, mais ça permet d'éviter de l'utiliser genre sur les petits morceaux. Ouais, non, mais Mac, j'ai déjà du 108, moi, mon gars. Vendu. Bon, et ben c'est la nuit, 2h55 du mat. Réfléchissons, mon cher Fanta, réfléchissons sur la prochaine course d'action. Alors tu m'as dit. Mais déjà, on est obligé d'attendre le jour. Donc en fait, ils ont eu un épisode coupage de bois et machin, mais je suis sûr qu'ils sont contents quand même. Non, parce que ça fait longtemps. Parce que tu sais, il dit ouais, putain, au début, vous faites une vidéo par jour et puis après, c'est une tous les ans. Hein. Oui. C'est ça, c'est comme le sexe. Comme le mariage. Et ça, mon gars, ça fonctionne pareil, pas de mystère. Alors du coup. Mais après, parce que tout ce qui est rare est précieux, c'est bon. Hein? Exactement. Ah, il y en a qui nagent. Mais attends, putain. C'est quoi, c'est une nuit de sang, quoi? Non, non, tout va bien, ils sont juste excités, c'est la nuit, tu te souviens? Et la nuit, quoi? Oh, oh là là, oh là là, oh là là. On se tape pas une lune de sang, une lune... Non. Non, non, ce serait suspect. Tire la flèche quand même dans le tas. Non, mais par contre, tu vois, on est bien hein, pour les recevoir. Hein. Ouais, ils ont... Bah, ils sont morts. Bon, je vais descendre. Tu veux bien continuer à éclairer? Ouais, bien sûr. Est-ce que toi, tu vois l'éclairage que je fais? Ouais, un peu, ouais. Ok. Un peu. Ouais, doucement. Oula. Waouh, il y en a, ils rebondissent. Ouais, ça fait plorc. Par contre, ils ont détruit nos pics en mourant. Alors, des attelles. Moi, j'essaie surtout de ne pas tomber dedans. Moi, j'essaie d'identifier s'il n'y a pas quelqu'un qui arrive derrière toi déjà. Bien sûr, je te remercie. Oula, c'est bon, je suis tombé dedans, mais j'ai rien. De farine de maïs, conserve de poire, des bocaux. Sandwich au jambon et des antidouleurs. Continue de m'éclairer. Enfin, ouais. Continue de. Ouais. De veiller. Sandwich au jambon. Tout se passe bien. Tout va bien. Je t'entends juste jouer dans la chair. Ouais, bah je fouille quoi. Voilà, en plus j'ai pu sortir donc ça c'est cool. Oh, en plus le jour qui va se lever. Mais voilà. Le prochain épisode est écrit quoi.
Expédition. Chier, je suis en train de tomber. Je me mets de l'autre côté de la maison pour pouvoir t'éclairer. Sandwich au jambon, conserve de thon. Ah, c'est bon, j'ai. Fou. Bravo. J'ai tout. Eh, hey, bonne petite récolte, sans déconner. Sans rien foutre, là, en plus. Hein. Ouais, c'est ça, hein, c'est gratuit. C'est par gratuit. Contre, j'ai l'impression qu'il y a un côté, il y a des zombies qui galèrent un peu. Hop, yop. Excuse-moi. Eh, me voilà. Donc, posez la bouffe. Posez la bouffe, posez la bouffe. Parce que conserve de jambon x2, pâté pour chien, c'est pas toi qui avais la dalle? Ok. Ouh. Le grand classique. Et deux attelles. Tu t'es pété une jambe? Je me suis sodomisé contre un pic en bois. Bon, bah classique, classique, tout va bien. C'est pour ça que... Il n'y a pas de souci. Exactement, exactement. Bien-être, dysenterie. Ah, les vitamines enlèvent la dysenterie, c'est bon ça. Retire hémorragie, retire saignement. Est-ce qu'on part pour psychologiquement leur montrer qu'on s'est barré? Ah bah j'ai bien fait de prendre une attelle. Oui. Moi je suis prêt. Hein. J'ai pris de la bouffe. J'ai pris J'ai pris de la bouffe, j'ai pris des ressources, j'ai pris tout ce qu'il faut. Moi je suis prêt à partir en expédition, mon cher Franta. Ok. Moi je vais mettre plus de fer forgé. Ça va faire beaucoup. 20. Fabriquer. Voilà, on est prêt. Ah bien, un morceau. On est prêt. Et au pire, on a le maïs. Oh putain. Oh, on est bien. Oh, c'est bon ça, le maïs. On est bien ça. Oh, il y a toute l'eau en bouteille du monde. Je l'avais fait cuire. Je la mets dans la bouffe. Mais combien il faut de pour effarer? Ah, peut-être pour la réparer, il faut que je me mette là. Ah, un autre truc aussi, mon cher Fanta, intéressant. Je t'invite à aller dans n'importe quel container. Ouais. Va, n'importe quel container. Ouais. Un container qui a des objets, si possible. Ouais. Genre les armes, quoi que ce soit. Et ouais. Cliquez sur l'icône tout en haut à gauche du petit sac d'or de Picsou. Qui est écrit à cause de caisse à quelque chose. Ah, ça les trie. Ça range tout. Ça range tout. Dieu, merci pour ce conseil. Voilà. Qui, moi, va me sauver, mais genre 30 ans d'effort hein, et de travail, exactement. Faut le faire partout. Alors, Bob, j'essaye de réparer ma hache, mais il veut pas, ma massue. C'est une hache... C'est ta massue? Ouais, et pourtant, quoi, normalement, elle veut du fer forgé, mais peut-être il en faut vraiment beaucoup. Hein. Du fer forgé... est-ce que tu peux la poser par terre? Ouais. Je jeter un œil. Peut-être j'en ai... Ouais, tout à fait. Hop, laissez tomber. Mm-hmm. Récupérer ma sans fer. Voyons voir. Oui. Réparer. Vous devez lire le bon livre pour réparer cet objet. On ne sait pas réparer. Bon, allez, il faut qu'on parte en expé, il faut qu'on trouve des maisons, mon gars. Exact. Il nous faut des livres. Je te l'ai posé par terre. Sauf qu'elle est passée à travers le sol, tu l'as récupéré? Oui. Très bien. Bon. Eh bien, écoute, dans ce cas-là, il nous faut des livres, mon cher Fanta. Et pour trouver des livres, il faut aller dans la maison. Une école. Je propose. Ah putain, on a un casque de football américain. Oh, attends une seconde. Oh la vache, casque de football américain, attention. T'es allé en bas? Casque de mineur. Où est-ce qu'on peut faire ça? Oui, je suis allé en bas, par contre, je peux plus. Oh merde. Je me suis recassé la jambe. Mais on est tellement des loutres. Mais non. Ok. C'est pas possible d'être des haricots pareils, quoi. Je veux dire. Par contre, il va falloir faire des échelles pour remonter. Ouais, ok. Ah, mais j'y travaille. Allez, c'est bon. C'est bon. Voilà, la population arrête de me gaver. Oh, dis donc, il y a des beaux fringues ici, je prends tout. C'est bon, voilà, j'ai fait des belles échelles. Voilà, c'est bon. Je vais sur l'établi. Alors, mineur, j'espère qu'on m'a pas dit de la merde. Mineur. Casque de mineur. Lampe de torche, électrique calparts 8, ruban adhésif 5, scratch plastique 4. Donc, pardon, il me faut les coffres. L'adhésif, il est là. Le splatique, il est là. Il est où le scrap-pacil electrical parts ou mechanical parts? Je sais pas, je prends les deux, allez hop. Nique tout. On va le faire, ce casque, comme ça au moins on pourra partir. Mineur, casque de mineur, Dieu merci. Fini les grottes sombres, super. Tac, j'en fais un. Ça prend 30 secondes. Je vais poser tout le merdier. Je garde les bottes de foin. J'aime bien le chapeau à 187, une vieille chaise, j'en ai pas besoin. C'est assez limite. 73 de camelette, je garde. La voiture en laiton, hop. Pomme de pimping. Hop. C'est en train de se crafter, 7 secondes. Est-ce que tu as une lampe de torche, toi, du coup? Enfin, une lampe torche? Oui. Très bien. Bon, allez, on y va. Et on entame...
Ok, c'est de la grosse merde ce casque, mais tiens. Je vais dehors. À voir. Je vais le poser. Hop, voilà, sur la plaque en acier. Avec de la chance, ça devrait se passer. Tac! Mets-moi ce chapeau un peu. Hop. Oh, dis donc, classe. Vas-y, F. Mais c'est génial! Ça marche, ça va nous changer la vie, putain! Prochain cas. Par contre, claque pas les piles. Garde-le juste pour le. Il y a des piles? Garde-le pour. Oui, sans doute. Il y a une durabilité, je pense. Oui, il y a une durabilité. Mais c'est génial, mon petit Bob. Mais oui, par contre, ça va nous changer la vie! Ça va juste nous changer la life! Des antidouleurs. J'ai des antidouleurs. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'antidouleurs? Je pense pas qu'on ait besoin d'antidouleurs. Non, mais on pourrait prendre quelques antibiotiques si jamais on se faisait bouffer sur le chemin. Ouais, mais on peut sans doute. Ouais, t'as raison, je vais en prendre deux. Allez, deux antibiotiques, c'est tout ce qu'on aura. Et moi, j'ai faim. On en aura besoin. Moi, j'ai faim. Attends, je bouffe ça. Prends de la bouffe, prends des conserves pour la route. Pas trop, histoire de pas trop te surcharger non plus. Moi, je suis prêt, hein. L'expédition. On va traverser le champ de maïs et on va aller donc nord-nord-ouest. On va éviter la. Ouais. T'es sûr, moi je proposais d'aller dans la ville, hein. C'est là où on trouvera les bouquins. Mais on est déjà allé dans la ville à fond. Non. On n'est pas allé dans la deuxième ligne des maisons. Hein. On a fait que la première. Ouais, alors, si, on l'a fait. Ouais, au sud de la ville. Au sud de la ville, et essayer d'explorer en espérant. Ah mais là, merde, on est parti putain. Pour un moment, hein. T'as un truc pour nous soigner. Ça repousse tout seul, non? La santé. Bon, on se donne rendez-vous dans le prochain épisode. Sur ce, je vous fais des gros 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 bisous, chers amis, et je me mets dans les pics, voilà. Je vous fais de gros 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 bisous et on vous dit à la prochaine, brave gens, allez-y. Bise. Ah, miséricorde. Attends-moi.